Bon, bah, Tulum City, circuler, y a rien à voir. On va rester à l'hôtel. C'est mieux. Hola a todos, bienvenido a Tulum. Bon, aujourd'hui on est, comme vous pouvez sans doute le constater, dans un cénotes, ou en tout cas un lieu où il y a plusieurs cénotes en un. Je vous explique. C'est un parc en fait où il y a en tout 4 cénotes, mais je me suis rendu compte qu'il y a 4 vrais, ou en tout cas principaux cénotes, mais il y en a beaucoup d'autres, des beaucoup plus petits, qui sont dans des caves et compagnie. Bref, on va voir ça tout de suite. Bon, les cénotes d'hier, c'était d'enfer. Maintenant, on se retrouve sur une plage. C'est la seule qu'on m'a recommandée à ce jour, en cette période de mois de mars, ici, à Tulum. C'est la plage Caleta Tanca. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, c'est la seule plage qui propose une eau turquoise, un cénoté, de quoi se baigner tranquille, parce que sur toutes les autres plages privées, parce que c'est que des plages privées ici quasiment, à part je crois une ou deux plages publiques pas très loin d'ici d'ailleurs, sur tous les autres clubs privés, ils ont des algues partout. C'est comme à Playa del Carmen en fait.
Tulum, c'est fini. C'était pas mal, c'était intéressant, même si assez particulier, je dois l'avouer, parce qu'il y a quand même des trucs qui me restent un peu là. En tout cas, je sais pas, je trouve que l'endroit est pas mal, mais un peu overhypé, un peu surcoté. Pas surcoté, surcoté ça fait déjà un mot trop gros, mais... Bah, on parle beaucoup de Tulum, alors que honnêtement, il y a mieux. Alors je dis pas il y a mieux au Mexique, mais enfin je connais mieux. C'est bête à dire, mais je connais mieux en Turquie, quoi. C'est pour vous dire. Après, c'est différent. Mais il y a tellement cet endroit, tellement une réputation que, en fait, les gens, ils mettent tellement l'endroit tellement haut, en fait, sur l'échelle de la hype que, bah, limite, on est presque déçu quand on arrive. Non, mais je blague, c'est un peu abusé ce que je dis, mais ça reste très bien. Mais c'est pas incroyable non plus. Si vous voulez, il y a la ville de La Valeta, là où je réside, là où je reste pendant 5-6 jours. Et c'est une ville vraiment moche, je peux vous le dire. Enfin, allez-y, vous verrez par vous-même, c'est pas super du tout. C'est vraiment pas dingue. Hein. Il y a un boulevard qui sépare la ville en deux. Et plein de petits trucs parallèles et perpendiculaires. Et voilà, et puis bon, bah des clubs et tout, mais bon, c'est vraiment pas dingue. Par contre, ce qui est mieux, c'est de se balader autour. C'est de se balader autour de Tulum. Et là, dans ces cas-là, bah, vous allez dans les cénotes, vous allez dans les beach clubs, par exemple, là où je suis actuellement. Là, oui, alors là, par contre, rien à redire, c'est paradisiaque, ça, on en prend plein les yeux, c'est le top, c'est clair que c'est le top. Mais c'est pas partout comme ça. Donc voilà, faites attention quand vous venez à Tulum, réfléchissez bien à où vous allez avant d'arriver, faites bien les recherches et tout, parce que moi, à La Valeta, j'y reste, mais c'est vraiment juste pour y rester. Hein. J'ai rien à y faire là-bas, vraiment. Je vous laisse, comme d'habitude, 2 vidéos par semaine. Abonnez-vous, activez la cloche, très important pour le référencement. Vous aurez toutes les vidéos que je poste, donc 2 fois par semaine, comme je viens de le dire. Hasta luego, amigos, à une prochaine vidéo.